Ça va pas faire les malins. Alors, je vais me baisser le son en ouvrant une oreillette. Eh, donc, vous m'avez vu pleurer comme une fillette dans le dernier stream à propos de Shadow of the Colossus en VR. Parce que les trucs en hauteur et moi, c'est pas trop mon kiff. Ce soir, il y a moyen de m'entendre encore crier comme une fillette. Puisque nous allons nous taper une petite séquence boucherie. Avec Doom. Alors Doom, ce doux souvenir quand même. Doom, c'est le jeu, tu as l'impression dans ta vie que tu ne pourras pas ne pas y jouer. Donc moi j'y ai joué en gros pixel, tout pourri de l'époque, sur mon DX86. J'y ai joué après quand c'était Doom 2. J'ai joué à Quake, que j'ai beaucoup plus aimé. Après je suis revenu sur quelques Doom, mais bon c'était des Doom quoi, et je m'emmerdais royalement, donc je suis parti chez Unreal. Et oui, je suis un traître. Et ce soir, ça fait un peu bizarre, parce que à la base quand même le jeu c'est un Marines et des millions de bestioles. Je sais pas si vous vous rappelez des derniers épisodes, comme ils ont évolué pour être réalistes et vous donner l'impression d'être dans Alien et que vous y ayez vraiment de la pression. Genre un des avant-derniers, tout le monde s'était plaint qu'il n'y avait pas de lumière. Donc les développeurs avaient été obligés de sortir un patch lampe de poche pour pas que les gens se chient dessus, et je vous rassure, j'en faisais partie. Vu que le but du jeu c'est de faire flipper aussi, c'est pas mal parce qu'il va y avoir du stress, de l'adrénaline et de la trip de partout. Assez de suspense. Alors, nouvel emplacement, bip, démarrer la campagne, je sais pas, oui peut-être. Hit me babe, oh yes, ouais, fais-moi pleurer, tire-moi les cheveux. Oh. Alors, il va y avoir violence. Non mais en cette période, c'est vrai que ça tombe bien, un petit défouloir quoi. En plus, j'avais une promo sur promo, donc ça aurait été bête, et je l'ai pris en matérialisé, car, ne l'ayant pas essayé, c'est vraiment le premier lancement, hein. C'est probable que j'ai la cinétose. Donc, ça se trouve, ça va être le stream le plus court du monde. Le projet exige des sacrifices. Engagez-vous dès aujourd'hui. Ok, c'est par à coup. Ah, je déteste les réunions. Oh, de toute ma vie, j'ai rêvé d'être une poupée gonflable. Hé, attrape-moi, attrape-moi. Présence démoniaque détectée. Rouge, rouge. Bordel. Où ça a mis un fantôme? Ça va bien se passer. Y a aucune raison de s'inquiéter. Présence démoniaque au niveau faiblement sécurisé. Ça doit être le plombier qui bricolait, non? Ah. Salut. C'est pour... Non. Mais oui, mais bon, ça, c'est pas une façon de démarrer. Donc voilà, c'était Doom VFR. À bientôt. Alimentation principale déconnectée. Je suis où? Dans... Oh putain. Non, c'est pas moi qui dis ça. Mais... Pas vraiment. Ben ouais. Quelque chose a dû activer le protocole de transfert cognitif. Ça n'était pas arrivé depuis... Alors, le petit truc que vous pouvez entendre couiner derrière moi, c'est la chaise de secrétaire. Parce que j'ai anticipé le fait de me choper une bonne cinétose de base, si ça bouge trop, et donc je pourrais compenser un petit peu pour que mon oreille interne soit pas trop affolée, au cas où ça se passe pas terrible, terrible. Les dialogues ont l'air super. Bon timing. Et donc oui, c'est super important les enfants. Si vous êtes sensible dans les jeux en VR, je vous le rappelle... Sortez vos culs du canapé et mettez-vous sur une chaise de bureau. Vous aurez la rotation et pendant que vous bougez, accompagnez toujours le mouvement en bougeant vos genoux tout simplement, c'est pas épuisant. Hein. Et au moins, vous êtes tranquille. Ah merde. Téléportation. Moi, je croyais qu'on était en free mode, alors ça va être bizarre. Du coup, j'ai pas lu la touche, j'ai trop l'air d'un con. J'avance, ça marche pas. C'est quoi ta touche? Ok, oh purée. On va pas être potes, je sens.
Ce qui est marrant, c'est que du coup, t'as pas du tout l'impression d'avancer, quoi. Mais j'avance pas, en fait. Donc, ok. C'était quoi la touche ? Jean-Jacques. Merci, paramètres. On va regarder les touches de manette direct, ça ira plus vite, parce que j'ai pas envie d'y passer la journée non plus. C'est ma première déception. Putain, j'en ai marre de tous ces jeux comme hier, où on n'est pas en mouvement totalement libre. Elle est où, la... Il est où, le virtuel, du coup ? Donc, manette, fais-moi voir les chetous, pépère, stop, t'es trop cool. Merci. Alors, demi-tour rapide, ok, module d'armes. Explosion bouclier, peut-être, si tu veux. Ok, tirer, utiliser. Se déplacer, ah oui, mais non. Sprint avant, sprint gauche, c'est quoi cette config? Bon, peu importe. Téléporter gâchette gauche. Hop. Bazinga. Là-bas. Et je valide avec ta mère en kilt à la bourboule qui fait. Nartin. On va pas être potes, hein. Give me the fucking touche pour aller là-bas, man. Tu serais cool. Non, c'est pas ça. Ça, c'est le demi-tour. J'ai trouvé le demi-tour, au moins. Ça, c'est la bonne chose pour la journée. Pas perdu, quoi. Ah, c'est quand tu relâches. C'est bon à savoir. Ça fait bizarre d'avoir une enclume au pied. Je ne supporte pas de terrible, terrible, on va dire. Ah ouais, non, mais je crois que je vais en chier. Non. Puis en plus, il faut s'accompagner du stick pour tourner totalement. Bon, ce que je peux comprendre, mais on peut tourner aussi comme ça, hein. Mais oui, je râle, mais je vous rappelle quand même que une console PS4 avec un casque de VR, hein, on est en droit de gueuler un petit peu vu l'investissement, sinon on se serait contenté d'une console Vectrex, comme tout le monde. Toujours dans la direction pour sprinter. Putain, la gueule du sprint. Ah! Ouais, ça bouge bien, c'est pas mal. Ouais, je vais essayer de me déplacer que comme ça, ça me va mieux. Parce que moi, les téléportes, non. On va pas être potes, quoi. Tirer, maintenir relâché, rouleau de sélection. Bien, madame. Piou! Piou, piou, piou! Mets sang! La roue de sélection. Encore! Pas fini. Bon, faut que je m'y fasse. Visez les ennemis étourdis avec le téléporteur. Lorsqu'un démon est étourdi par les dégâts qu'il a reçus, vous pouvez vous téléporter à l'intérieur. Ce qui la pulvérisera. Ça se tente. Bazinga. Kiki! Il est où le Kiki? Il est où le Kiki? C'est efficace. Est-ce que j'ai ramassé le bonus? Voilà. C'est bizarre quand même. Bon. Hop. Des fois, il arrive pas à passer dans le... Le strafe est tellement foutu bizarre, des fois il arrive pas à monter où il doit monter. Du corps à corps. Remets la grenade. Relâchez. Gâchez. Deux, c'est mieux. Ah, pas vers moi. Cadeau. Tu veux faire par la maison, profite. Ça va être spécial, hein, comme façon de... Tenir le bouclier... Ah,
Ah putain. Dégage. Non, je m'en vais, vous êtes pas drôle. Ça se coule un poil quand même. Dépôt d'argent secret pour intégrité d'armure, défense, munitions et. Si tu veux. Je veux la dague, s'il vous plaît. Ah mais pendant les téléportations, je peux tirer ? En fait, j'ai pas pris le temps de réaliser. Moi j'aime bien augmenter les chargeurs, mais bon, ceci dit, vu que je vais être un boulet, voilà la sagesse en action. Alors. Pfiouh. C'est un peu gros là. Attends, faut que je recule. Je suis en train de vautrer la chaise parce qu'il manque une roulette. Les conditions de stream, on en parle là, les gars. Ouais, regarde, c'est bon. Non. Non. Ça va mieux. Oui. Hop, et il m'a dit que c'était. Aussi, on va savoir. Non, que dalle. Et c'est ainsi qu'il s'en a lu. Je descends, ah merde. Putain, petit à coup des mondes, mais cool. Merde, je suis où? Alors le problème, c'est que des fois, je... Yes. C'est le plus efficace hein, comme technique ça. Merde, pas toujours. Pour se casser, c'est bien la téléportation. Bienvenue. Oui, bon, ça reste vif quand même, hein. On n'était pas censé avoir des coups, des fatalités, genre, quand on est à proximité. Ah, je me démerde pas encore trop mal. Putain, le fumier me vise derrière. Bon, on s'en va, on va se faire un vrai match. Je veux partir. C'est bizarre. Il faut que je rétablisse l'alimentation principale. Bon, du coup, qu'est-ce qu'il en est de la cinétose? Eh ben, à cet instant précis, pas grand-chose. Parce que du coup, le fait d'alterner les mouvements et de passer en mode saccadé ou en slide,
Et le petit mode téléportation qui permet d'atteindre les plateformes et tous les trucs qui nécessitent un saut, qu'on peut utiliser très bien en mode, vous avez vu, pour échapper. L'oreille interne, du coup, on lui propose deux façons différentes de gérer le truc et elle a pas le temps de faire, de réfléchir, parce qu'apparemment c'est le temps qui joue aussi. Se dire, ah ouais, mais non, mais là c'est pas très logique. Attends, je vais le faire dégueuler. Donc c'est bien géré sur les mouvements. On a, vous avez vu la dynamique, c'est pas triste. Il y a de quoi faire. Salut moi. Et pour l'instant c'est pas mal. C'est pas mal. Bon, faut maîtriser les commandes, je pense. Il y a une question d'habitude aussi. Le temps de se faire, justement, en fait, de hop, tu vois. Hop, un coup je te vois, un coup je te vois pas. Donc voilà. Mais enfin bon. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Rien. Je fais quoi, moi, dans ce cas-là? Je suis encore en boulet mode. Rien à faire. Non, je vais pas me tirer dessus, c'est dégueulasse. Merde. Y'a pas un truc à faire avec ça? Bon. On va se balader, hein. Non, pas pour moi. Salut. Jaune uniquement. Ok, chef. Ça, c'est... c'est verrouillé de toute façon. Prototype là-bas. Ouh, y'a quelqu'un? On m'ouvre? Bon, ok. Je visite, hein. Moi, je... c'est mon premier run, je me balade. On sent qu'il y a beaucoup de monde. Hein. Je peux pas manipuler ça? En plus, il y a une flèche énorme dessus, quoi. C'est quand même un peu triste. Eh, les gars. Merde, je suis dans l'axe. Non, remets-toi dans mon sang. Google, merci. Ok. Intrusion des maniaques détectées. On va se marrer. Comme tu dis, ouais. Ça vient d'où? Bon, je pense que je vais avoir des collègues là-haut. De toute façon, s'il y a des caisses de munitions, c'est chiant les passages dans les portes des fois quand on n'est pas dans l'axe. Ouais, je me rappelle comment je lance les grenades. C'est si il tient dessus lui. Eh, ça va pas. On pourrait être amis, tu le sais. Grenade. Non, grenade, moi je veux. Ça va chier. Il est colère et il va buter tout le monde. Ils sont où les cafards? Qu'est-ce que t'as? Merde, je suis pas assez prêt. Tu veux quoi, toi?
Bon, faut que j'aille où, moi, du coup? Parce que la boucherie non-stop, c'est sympa, mais... à un moment, on va se lasser. Ça s'ouvre toujours pas, ça? Non, terminé. Alors, je sais pas pour vous qui regardez le stream, parce que vous, du coup, ça doit être gênant, parce que vous tapez les à-coups quand je fais mes rotations, puis vu que c'est pas vous qui les déclenchez, bah ça fait un peu comme quand on conduit avec quelqu'un et on sait pas où il va, et qu'on est le passager. Donc, je regarde le stream pour vous si c'est supportable, parce que j'ai un peu le doute. Enfin, dans le casque, je vous rassure, c'est tout à fait gérable. C'est vert, ça, now. Why can't we be friends? Why can't we be friends? Je vais terminer mon tour, hein. C'était ce que j'avais commencé de toute manière. Donc ça, c'est le lab, c'est fermé. Ça, c'est la power station que je viens. Et qui serait inutile de revisiter. Le cyborg lab. Bah, c'est moi. Salut, c'est ma maison. Y a pas un petit truc je sais pas moi. Alors j'ai dû rater quelque chose. Un petit panneau où on centralise les missions, tranquille. Je vous fais même les bruitages à la bouche. On a peur de rien, gros budget. Hop hop hop. Ben merde alors. D'alors. Qu'est-ce que j'ai zappé moi? Ah. J'ai pas visité. J'ai besoin du statut du complexe. Bizarre. Une station de transfert d'énergie argent a été activée. Celui qui a utilisé cette station de réserve argent a créé un nouveau portail. Si ce portail reste ouvert, le complexe sera complètement envahi. Ce téléporteur est cassé. Je vais en avoir besoin pour me déplacer. Réparer le téléporteur, trouver la pièce de téléporteur. Ok, sir. T'es mignon, toi. Puis t'es plus mignon en maquette qu'en grand, hein, parce que si tu fais vraiment la taille qu'il y avait dans le jeu d'époque, je pense que tu dois pas mesurer la mienne. Tu dois être un poil au-dessus. Hein, je me trompe. Regarde ça, ce petit moignon nucléaire, comme c'est mignon. Oh là 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 là. Alors, je me demande ce que ça doit donner avec leur tube en PVC qu'ils osent sans te vendre un prix complètement indécent. J'en ai entendu dire que c'était sympa. Mais pour l'instant, je suis pas convaincu. Puis de toute façon, le prix du périphérique, la politique de Sony de se foutre de la gueule du monde avec des prix... de toute façon, on le connaît depuis les cartes mémoire. Hein. Des prix exagérément abusés. Surtout ce qui est périphérique. Faudrait qu'un jour quand même ça se calme un petit peu, cette manie de prendre des gens pour des cons, quoi. Ça serait vraiment sympa. Bon, bis d'où. Ok, je crois qu'on a fait un peu le tour. Donc moi, faut que je trouve une pièce. Est-ce que j'ai une map? Reprendre paramètres, charger le point de passage. Tu n'as pas de map, mon gros, tu te crois où là? Ah, et c'est quoi ça? Ah, je crois qu'il y a un mec en vert qui me suit. Non, je rigole. Et le portail là, c'est quoi? C'est les sauvegardes? Oui, non, merde. Vas-y, parle-moi. Talk to me. Say something. Something. Ok, non mais je pense que ça doit être une sauvegarde plus loin. Je peux pas sauvegarder tant que j'ai pas la pièce. La pièce, tu peux m'indiquer où elle est, du coup. S'il te plaît. Faut que je m'y fasse, hein. Je suis désolé pour les à-coups, mais j'ai pas encore le... Je me sens pas encore chez moi, quoi. Cette carte me sert absolument à rien dans l'état, hein, les amis. Ça vous fera moins mal au cœur à vous. Vous voyez, je suis sympa, je pense à vos petits cœurs.
et puis le fait que vous n'avez sûrement pas, comme moi, prévu 5 sauts à vomi qui sont à mes pieds. Je vais aller chercher ma pièce, hein, on tombe comme des cons, hein. Ça sert à rien de chercher à monter l'eau tiède. Bon, je ne veux pas que ça se merde. C'est bien, il ramasse tout. Faut que je me rappelle que ça explose, ça, quand même. Ça va être sympa. Oh, un objectif affiché. Bordel, faut que je trouve la clé. Ok, trouve la pièce qui te demande de trouver la clé, qui va te demander de trouver... Alors, laissez-moi me rappeler des pires épisodes de Resident Evil. La boîte d'allumettes qui servira à ouvrir l'accès à la clé à molette que tu devras ramener ben, de l'autre côté du tableau, gros con, enfin. Alors, ces mécaniques éculées qui datent des années 70, on va devoir encore les subir. Je vais aller chercher ma clé gentiment parce que je suis là pour jouer de toute façon. Et je vais tous les exterminer, mais avec un plaisir malsain, on va dire. Bon, vous voyez que contrairement à hier, je fais pas encore mes cris de fillette. Ça pourrait arriver si on a des passages en hauteur, hein, je vous rassure. Est-ce que ça serait par là ? Mets-moi direct en bas. Voilà. What the what? Hey, ça croupir. Je veux m'accroupir, s'il vous plaît. Ou alors me téléporter dedans, tiens, c'est pas con. Si c'est radioactif, ça a pas l'air d'être prévu pour qu'on se mette dedans. Pourtant, ça a l'air de s'ouvrir clairement. Quoi. Et, réfléchis vite. Bon, de toute façon, il n'y a rien en forme de clé, là, les enfants, on est d'accord. Je parie que je peux utiliser un de ces robots de nettoyage pour passer. Ah. Ah. Oui, madame. Yes, I want. Oh, cette interface. Attends, je vais faire ça propre. Voilà. Activé. Bon, je crois que j'ai encore des problèmes avec cette interface, moi. Appuyez sur R3. Tu es là-bas dessous, toi. Alors, est-ce que je peux le guider? Enfin, est-ce que je dois le guider? Ça donne un petit plus, ma chaise qui couine. Que dois-je faire, là? De robots de nettoyage, je ne vois point en bas. À quoi servit ce déclenchement? Nous n'en saurons pas plus. Rendez-vous au prochain épisode. Bon, bah, je vais continuer la balade. Hein. Merdasse. Ouais, non, mais rien de neuf à la OST d'Eden, hein. Dire de plus. Une map avec un objectif que je ne vois pas qui me sert donc super à rien. Parce que ça, je suis passé devant quand même 15 fois. S'il y avait un truc à... Putain... Non mais sérieux, quoi. J'appuie sur R3, madame. Il y a un petit problème de zone de captation, apparemment. Non, c'est la pièce que je dois choper, ça. Qui ressemble à ça, donc. Ok. De pas savoir où aller du coup, mes amis. Et c'est moche de pas avoir une... Putain, la carte. Je le déteste.
Alors, le robot, qu'est-ce qu'il me fait là-bas? Ça doit être la clé que je vais vouloir choper. Bouge pas. Le robot, il bouge pas terrible. Hein. Et moi, je suis là. Il y a un autre robot que je pourrais choper deux salles derrière moi. On va dire qu'on va faire ça. La carte d'accès est jaune. Non, bah, de toute façon, on est en évidence. Elle est entre les deux robots. Donc, 1, 2, 3 salles. Bim. Une. Deux. Trois. Elle est là, la clé? Non. Ok. Salut. Je cherche une clé. Pas entendu parler d'un gars avec une clé? Ah, si. Bravo, Bobo. Sympa. Maintenant, mon objectif, ça va être... Tu la ramasses, ta clé, ou tu pichournes, comme on dit? Merci. Trouver la pièce de téléporteur. Super map, au secours. Et c'est de l'autre côté. Ok. Cassons-nous d'ici. Mais hélas, tout ne se passa pas comme prévu. Non, c'est pas maintenant le script où les bestioles se déclenchent. Oh, petit coquin. Je veux cette pièce, s'il vous plaît. Bon, tu l'attrapes la pièce ou on se fait une pétanque? Ah mais il sait plus pivoter quand il a ça dans les mains. Sérieux. Je vais ramener ça au téléporteur. Merci. C'est gentil. Vous voyez ma tête, ça c'est assez drôle parce que je suis assez concentré pour viser les petits trucs à la con comme ça précis. J'aurais quand même pu prévoir un champ un peu plus vaste. Si je peux atteindre cette station de transfert, un accumulateur argent pourrait faire une surcharge des systèmes et détruire le portail. Bah oui, c'est ce que j'ai toujours dit d'ailleurs. Qu'est-ce qu'on attend ? On ne peut pas fabriquer beaucoup d'accumulateurs. Le meilleur moyen d'en trouver un est de pirater l'ordinateur d'Aiden. Ok, Samy. Scotty, on est bon là? Vous avez assez de puissance? Ah, là, 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 là. Bon, ouais, j'espère vraiment que les mouvements, c'est supportable à regarder dans le stream, parce que sinon, ça va me conforter dans l'idée que c'est très très dur de streamer des jeux en VR. Avis, toujours pas d'avis, vu qu'il n'y a toujours pas eu de baston. Donc, je dois m'introduire dans le bureau d'Aiden pour trouver un accumulateur. Ouais, mais on va d'abord tous se tuer, regarde l'autre là. Repeat after me, with Titi. You, Kiki. Ouais, je veux bien ça. Ah, ça a l'air sympa comme sulfateuse. Donc juste les munitions. C'est ballot. Même pas, non, ok, même pas. Parce que moi, un truc sans munitions, je veux bien, mais... Niveau crédibilité, je vois rien, là. Boris ? Pas évident, le headshot avec la VR. Il y a un petit côté flou en vise loin. Faut avoir envie. J'aurais pu les faire péter. Ça va être très fun dès que ça va se mettre à arriver, au lieu d'être tout par devant gentiment, en ordre, classé comme ici. Quand ça va commencer à arriver devant derrière. Et y avoir, comme on dit, du sport. Qu'est-ce que c'est crade, c'est joli. C'est assez paradoxal de dire qu'est-ce que c'est crade, c'est joli dans la même phrase.
Oui, je sais. Là, t'as plus de tête, c'est moche. Toi non plus. Oh là là, un peu de tendresse. Quelques headshots, c'est la vie de Candy. J'ai même pas regardé ma map. Alors, ça, c'est les coffres à sucette surprise. Je veux bien. Merci. Augmente la durée du ralenti. Non, mais les munitions, je veux bien. Merci, Kiki, t'es un amour. Ma map, je dois aller pile en face. Dis donc, la vie serait pas bien faite. Ascenseur. Alors, depuis le temps qu'on les appelle dans les jeux, les ascenseurs, qui nous permettent des chargements en toute discrétion, il faudrait quand même qu'on pense à les baptiser un jour. Bah oui, moi je veux bien appeler des ascenseurs, mais avec leur petit nom, leur vrai. Et. Alors, cette sensation de ne pas bouger est absolument extraordinaire. On se croirait vraiment dans un ascenseur léger en moins. Les avec. Oh bah oui. Vu que le reste avec des munitions, si j'améliore ça, ça serait pas débile. Parce que je crois que je suis en limité avec ça. En tout cas, je suis très pressé d'essayer en vrai. Alors, objectif. Eh bien, c'est tout à gauche. Une pharmacie. Why not? Ok, c'est pour se rechnuguler. Faut juste que je retrouve la touche pour les grenades et je serai l'homme le plus heureux de cette planète, je crois. Non. Non plus. Non plus. Ah, ça doit être ça. en voilà. Parce qu'elle va te péter la gueule. On a raté un bullet time, là. Pas sur les arbres, et vu le nombre d'arbres ici. S'il vous plaît. Non, je peux pas, ça. J'ai pas été assez sage. Ok. Bon, s'il ramasse pas, c'est que j'en ai pas besoin. Hein. C'est aussi simple que ça. Ça m'a pas l'air très très passionnant. D'accord, chef. Le dernier accumulateur se trouve dans ce prototype de cyberdémon qu'ils ont perdu. Il a l'air petit. Je dois retourner au labo. Tu le sens, mon syndrome résidente? Hein, tu le sens, mon syndrome résidente? Ah ouais, parce que je vais quand même pas reprendre les props existants que j'ai fait pour... quand même, Jean-Pierre. Alors, attends, moi j'ai une idée. Appelle le stagiaire. T'as travaillé sur les TO7, toi? Alors là, je me moque, c'est gratuit. Eh, des fois, qui aime bien, châtie bien. Bon, pour l'instant, tout est bien. Le porteur de retour ne doit pas être loin. Non, il doit pas être loin, d'ailleurs. Quand on parle du loup, on voit ses genoux. Lui ça, va ça. Tant que je t'ai sous la main. Je veux juste partir. Au revoir. Ta 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 ta
fut bref. Ah. Comment ça se fait que j'ai des invités, moi? Monsieur? Monsieur? Faut pas rester là. Et non? Et non? Ah oui, il va marcher moins bien, forcément. Je vais me le garder pour un moment de panique, ça, parce que... Non! Je voulais pas faire ça. Quel gâchis. Quel gâchis. Désolé. Parce que je peux pas le choper, ça. Parce que moi, un lance-roquette, je suis jamais contre. Hein. Honnêtement, merci. Oh là là. Bon, note pour la fin du stream. Pensez à écrire à ID Software pour lui rappeler que la zone de captation qu'on approche d'un objet, ça serait peut-être sympa de la mettre en plus grosse. Quoi. Ah oui. Forcément, ça l'amuse. C'était pas du tout ce que je voulais essayer. Où ils sont les fans de heavy metal là? Alors le problème c'est la spatialisation sonore. Vous avez forcément vous en stéréo. Et que moi j'ai un petit peu mieux rendu et qui me stresse un poil là. C'est pour ça que je cherche de partout d'où ça vient. Ah. Et moi je suis comme ça madame. Je prends le petit pistolet et hop, je vide le chargeur parce que c'est illimité, j'en profite. Pas fou. J'ai vu comment ça se passait quand ça se passait pas bien. Bon, moi j'aime bien la spatialisation sonore, là c'est sympa. Jean-Pierre, qu'est-ce qui t'est arrivé? Tu t'es fait ça, comment? En te lavant les dents? Non, t'es pas crédible là, Jean-Pierre. Bah, je crois qu'il marchera plus, Jean-Pierre. Bon, tant pis. Qu'est-ce qu'on fout là, mes biches? Youhou! Un petit instant carioca? J'y suis, ma couille, hein. Je peux pas être plus dedans, là. Plus dedans, ça deviendrait médical, quoi. Peut-être un truc que j'ai pas actionné, j'en sais rien. Alors, vous avez remarqué, je bouge pas trop de ma chaise, hein, du coup. Parce que, moi, je m'attendais à ce que ce soit en mouvement libre. Et en fait, là, je fais tout au stick, hein. C'est pour ça que vous avez les à-coups. Tu me déclenches ton fucking... Oh, shit, c'était ça. Allez, envoie ton script. On n'est pas là pour rigoler. Salut! Je suis la cacophone de ménage. Oui, je viens pour les petites... les sous-tissus, les trucs de bavure, là, si on m'a appelé. Hey, mais ça a l'air sympa. C'est pour le nouvel album de Justin Bieber. Il va être bien, le clip, dites-donc. Good. Alors, 1, 2, 3, soleil. Quand est-ce que se déclenche le script? 1, 2, 3, soleil. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ah, j'ai entendu brailler derrière moi. Je pense que j'ai une présence amicale dans le coin, mais je ne sais pas où. Piou, piou, piou. Piou, 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 piou. Eh oui, faut pas. Monsieur, non. Restez chez vous. Comment ça, c'est pas très fair play? Mais si, regarde. Il en reste un, mais je sais pas où il est. J'en ai entendu un, bah, je les ai peut-être tous clapotés. Là, ça va. Et j'entends des gargouilles derrière, donc c'est bizarre. Je pense qu'il faut les jouer du heavy metal. Là-dedans. Métal, la loi du mal. Oh putain. Calmons-nous. Ah, on va se partir. Oh putain. Ouais, là il y a du sport. La musique qui arrive juste dans les temps en plus. Non, pas sur lui. Eh hey, les armes les gars. C'est quoi Berserk? J'ai plus d'armes.
Et je fais comment, moi? Avec les petits points. Ok. Ah, mais tu le dis. Et je veux bien, hein. Hé, hey, tapette. Non, j'ai rien dit. C'était pour de rire. Aucun humour. Sérieux. Ah, mais ils sont deux, maintenant. Une petite session, puis on va arrêter là parce que je commence à avoir super chaud. Je ne connais pas la longueur du stream actuellement, donc je sais pas exactement où j'en suis. Et puis attends, faut que j'enlève un peu le casque parce que j'ai dû tourner sur moi-même. Et ce serait con qu'on me retrouve étranglé avec le fil du casque VR. Ça va, j'ai pivoté juste d'un tiers à droite. Je vais me realigner sur le centre. Ah, je vais enlever la sueur. Et oui, ça, c'est mon syndrome. Moi, je sue dès que ça brasse trop. Youhou. Tu me re. Comment ça, tu ne veux pas? Il veut pas me réaligner le casque, ce couillon. Bon, c'est pas grave. Dernier point de passage. Voilà, c'est réaligné de toute manière. J'ai pas pu trop parler en disant des trucs intelligents pendant la baston, parce que vous avez vu que ça brasse quand même pas mal. Pourquoi tu me décales à droite? Yes. Alors, j'ai ma grenade à gauche. Faut que je m'en rappelle cette putain de touche pour les grenades. Sinon, je vais vraiment avoir des gros problèmes. Parameters, manettes, configurations. Et la grenade, c'est bien la gâchette en haut à gauche. Ok, bien. Zen, ça va bien se passer. Grenade, gros con. Fusil à pompe, petit con. Ça va très bien se passer. Popon. Quoi que non, celui-là est bien. Fusil d'assaut, fusil à plasma. Ouais, non, on va y aller au plasma. S'il y a des munitions intéressantes là. Ouais, tu vois quand tu veux. Hop. L'autre il arrive là-dedans. Donc là-dedans il n'y aura pas d'échappatoire. Ça. Ok. Mais déjà ils arrivent les mecs là. Messieurs, dames, je suis regret de vous informer que ça va pas très bien se passer hein, par rapport à ce que vous êtes. L'autre, il se gargarise. Non, mais non, tu fais pas ça, monsieur. Toi non plus. Ouh, que t'es vilain. Ok. Ça, je m'y garde pour après. Vas-y, go. Clac, c'est parti. C'est la fête au village. Quelle très mauvaise idée j'ai eu de me téléporter en plein milieu de la fosse. Oh yes. Je t'ai pas vu toi. On bouge pas d'ici. Mon cœur balance. Oh oui. Non, il balance plus vraiment. Au revoir. Putain, quand ça veut pas, hein, ça va être le dicton du jour. Wopopopopo. Ah. Je vais pas vous faire durer plus long la torture. On va revenir au menu principal pour tchatcher tout ça, un petit peu se débriefer.
En tout cas, pas mal. Bien content. J'avais de très très grosses appréhensions. Vous avez entendu mon ton de voix quand le jeu a démarré et que j'ai constaté qu'il y avait cette téléportation. Puis en fait, bon, ça va, c'est un espèce de mix. Parce que, comme tout le monde, ils n'ont pas trouvé la recette magique pour complètement tuer le motion sickness. Et vu que c'est quand même un FPS, de base, forcément, il faut cavaler dans tous les sens et ça brasse beaucoup. Donc je pense que leur solution sur la durée est super efficace. C'est aux joueurs de s'y adapter. Vous avez vu que je n'y suis pas encore adapté. Mais le global est très manipulable, on va dire, à défaut de dire réellement maniable une fois qu'on le maîtrise. Niveau rendu qualitatif, bah, c'est de la VR, donc stream en 576p, tu me le copieras 100 fois. Et bah voilà, c'est forcément moins beau que le jeu sur le PC pour qui s'y essayait. Et c'est pas la même approche non plus. C'est-à-dire que les mouvements ici, le PC, on en est au point où clavier souris, on peut se permettre de tourner autour des adversaires pendant qu'ils nous ratent totalement. Avec le pad déjà, c'est plus trop d'actualité. Et si on rajoute en plus les déplacements, là le déplacement en fait prend un sens beaucoup plus important par rapport à la version clavier souris, quoi, c'est clair. Comme j'ai dit, un temps d'adaptation pour moi, ça se trouve il y a des gens qui sont des pros du pad et qui déjà se démerdent super bien avec ça, je n'en doute absolument pas. Doom VFR c'est donc du tout bon, du motion sickness, il n'y en a quasiment pas. Sérieux, je vais pas exagérer. Là, la chaleur que j'ai eue, c'était juste parce que tu te mets un petit peu en pression et puis j'ai le casque qui me serre la tête, c'est tout. Mais nickel. On se refera un stream, enfin j'essaierai de vous refaire un stream une fois que je maîtriserai un minimum le jeu. Histoire de jouer un petit peu le prétentieux. Je ferai des niveaux que j'ai déjà passé les doigts dans le nez, histoire de vous tout bluffer un peu. Puis je vous dirai que c'est des niveaux super avancés. Enfin, je vous ferai croire. C'est ça la technique. Je vous rappelle qu'on se retrouve pour un prochain stream absolument extraordinaire. Je fais le teaser ici, je ne le ferai plus jamais car c'est un stream de super-héros. Et là, j'en entends déjà qui crie de l'autre côté. Stream de super-héros avec cosplay. Donc oui, je serai en cosplay. Oui, les gens qui ont suivi sur Twitter ont une idée déjà du cosplay. Et oui, je peux déjà donner le nom de super-héros que je vais avoir. C'est donc Riette Montcerise. Et respect à toi, grand maître Peters. Je n'en dirai pas plus. Allez, si je vous donne un... C'est un énorme indice aussi. Hein. Bon, allez, je vous le donne quand même, histoire de patienter jusqu'au pro. Quelques jours qui nous séparent de ce stream. Ce sera un titre en VR. Donc, super-héros, VR. Franchement, là, je vous l'ai servi sur un plateau. Si vous n'arrivez pas à trouver de quoi je vous parle, je pense que d'ici 4-5 jours, on se pète le stream. Voilà. Non, mais il faut que je m'entraîne pour celui-là, parce que ça va demander vraiment une grosse config. Donc, en dessous, vous n'avez pas mon Tipeee, donc vous n'avez pas besoin de données. À gauche, à droite, au-dessus, en bas, vous n'avez pas les sponsors, donc vous n'avez pas besoin de cliquer non plus. Venez juste, on va se marrer. On va pas se prendre la quiche. Ça fait partie des rares streams où on cherche pas trop la fame ni le pognon. Je vous fais des bisous, à tout bientôt. À tout bientôt, des bisous encore. Abusez pas pour les fêtes. Pensez à saboter les digicodes pour les gens qui sont à la rue et qui sont coincés dans l'urgence, dans les soirées où il fait vraiment trop trop froid. Je pense que c'est un acte citoyen qu'on se devrait tous de faire. Et je vous fais encore des bisous. Chtoing ! À bientôt. Mais là, le son, il est coupé. Mais non, Maurice. Arrête de dire des conneries. Et si, je te dis, Maurice.